Stevens, alors aujourd'hui, nouveau test sur le jeu World Soccer GQ Winning Eleven 2000 sur PlayStation 1. Bon, je n'ai pas besoin de vous préciser qu'il s'agit de la version originale du jeu IS Soccer 2, sorti en 2000 et édité par Konami et sorti sur PlayStation 1. Bon, alors attendez, on va déjà faire un petit match. Je ne sais pas exactement quel genre de match on va lancer. Ouais, on va se faire. Tiens, ah oui, un petit match, ouais. On va laisser l'IA jouer à notre place, oui, parce que dans ce mode, on peut soit jouer l'équipe de gauche, de droite, ou laisser l'IA jouer à notre place. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs. Bon, attendez. Déjà, pour commencer, on va se choisir un petit. Ouais, on va prendre la Belgique, pourquoi pas. Et la Suisse, pourquoi pas. Ouais. Et ça tombe très bien parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu les Suisses à l'œuvre. Et j'en profite également pour faire une dédicace à tous mes fans belges et suisses. Bon, alors, ouais, c'est parti. Donc, allez, alors, là, sans plus attendre, on va s'intéresser tout à ce petit match hein, opposant l'équipe de Belgique, enfin de la Belgique et celle de la Suisse. Donc, la Belgique joue tout en rouge avec des rayures noires et jaunes face à eux, l'équipe nationale de la Suisse qui joue en blanc à rayures rouges. Bon, alors. D'ailleurs, je verrai si je peux lancer encore d'autres matchs, puis après, ça sera terminé. Et s'il le faut, je vous proposerai aussi une vidéo bonus de ce jeu pour un dernier et ultime match. Et pour l'instant c'est les Belges qui ont le ballon. Verrien qui passe. Oh, il passe. Oui, il passe. Occasion peut-être pour les Diables Rouges. Repris par Sorza du côté suisse qui passe à Chapuisa, qui a joué avec l'équipe du Borussia Dortmund dans le championnat allemand et avec qui il a gagné aussi la Ligue des Champions avec le même club allemand du Borussia Dortmund en 1997. Ballon repris par côté belge, Van der Rijn, qui va passer à Mpenza. Est-ce qu'il va réussir à... Oh, attention, attention, oui. Est-ce qu'il va réussir, est-ce que... Ah, repris une nouvelle fois par les Suisses, Vogel. Si je me souviens bien, Vogel, il a joué au PSV Eindhoven dans le championnat néerlandais, il me semble. Gour. Il passe à Mpenza. Mpenza. Wilmots. Il passe à Léonard. Ah, dévié. Oh, et oui, et le ballon est repris par les Suisses, et le ballon sort en touche. Touche pour... je crois que ça doit être pour les Suisses, il me semble, puisque... À moins que... Ah non, c'est pour les Belges, autant pour moi. Allez. Ballon repris par les Belges de... avec Kepenza. Ensuite... Wilmots. Repris par Yakin du côté suisse. Sforza. Qui passe à Vogel. Ensuite, le ballon est repris par Mpenza. Jeanneret, côté suisse. Qui passe à Mühlmann. Ah mince, je crois qu'il a... Non, c'est bon, il a réussi à capter. Capté par Chapuisa. C'est ça. De nouveau pour Chapuisa. Qui va passer à Müller.
Attention! Oh, occasion peut-être! Attention! Est-ce que... Et but! Ouverture du score de la Nati! Et c'est ça qui marque le premier but suisse. Ah, les Diables Rouges qui sont fait un petit peu surprendre. Alors, quand même voir ça. Donc, le but est signé, c'est ça. Ce qui permet à la Suisse d'ouvrir le score. Allez, les Belges qui se sont fait un petit peu, qui se sont fait piéger. Donc, ce qui fait au total de 1-0 pour la Suisse. Bon, pas de panique, avec un peu de chance, ils arriveront peut-être à égaliser. Touche pour... je crois que c'est pour les Belges. Voilà. Alors qu'on s'approche à quelques minutes de la fin de cette première mi-temps. Allez, Stroupard. Stroupard. Oh, petite chance, mais non, raté encore une fois. Ah, les Belges qui tentent leur chance, mais ils n'y arrivent pas. Gour. Gour. Alors, préférer qu'il fasse une passe à Mpenza, étant donné qu'il était près de lui. What the, oui, Mpenza. Et oui, il a réussi à capter. Tant mieux. Mpenza. Est-ce que... Non, c'est dommage, c'est dommage. Et les Belges qui mettent la pression sur les Suisses. Oh, est-ce que... Est-ce que... Ouh là, c'était pas passé loin, mesdames et messieurs. Ce n'était pas passé loin. Et c'est justement la mi-temps. Et fin donc de cette première mi-temps. Et bien, c'était vraiment une première mi-temps, mais assez dynamique. Parce que là, franchement, on a assisté vraiment à du bon jeu. Entre des Suisses qui mènent au score 1-0 face à la Belgique et des Belges qui certes dominaient mais qui arrivent quand même à tenir le choc. Bref, ça promet d'être une deuxième mi-temps assez passionnante. On se sépare un petit moment. Alors, récapitulation du score. La Suisse mène 1-0 face à la Belgique. On se sépare un petit moment pour une petite page de pub et on se retrouve tout de suite pour la deuxième mi-temps de ce match. Ici, Zurich, en Suisse, à Ou Paris. Et nous sommes de retour pour assister à cette deuxième mi-temps de ce match vraiment passionnant entre la Suisse et la Belgique. Et pour l'instant, c'est les Suisses qui mènent au score 1-0. Donc, espérons que nous verrons un meilleur jeu de la part des Belges. Ballon qui va être capté par Müller du côté suisse. C'était une belle occasion. Attendez, c'est pas fini, c'est pas fini. Nouvelle chance pour les Belges de tromper la défense suisse. Si bien sûr ils y arrivent de bien sûr. Oh, attention! Oh, y a pas en jeu! Mpenza! Est-ce que... Oui! Le voilà, le fameux but égalisateur! Égalité parfaite entre la Suisse et la Belgique. Et c'est Mpenza, c'est lui là, le Mpenza là qui vient de marquer ce but égalisateur. Et ce qui permet aux Belges d'égaliser. Oh, là, pour une fois, ils ont réussi à tromper la défense suisse. Et Zubert Müller, qui le gardien suisse, ne pouvait strictement rien faire. Eh bien, c'est un score de parité, un partout donc entre la Suisse et la Belgique. Bon, ok, c'est vraiment ce qu'on peut appeler, mais un match passionnant. Attention! Stroupard! Stroupard! Ils en demandent les Diables Rouges. Allez. Stroupard. Oh là, oh là, oh là, ah non, cette fois-ci, ils ne se laisseront pas tromper les Suisses. Ouais, qui
passe à Stroupard. Ah, j'aurais préféré qu'il conserve le ballon. Attendez, est-ce que... Oui, Verrien, attention, est-ce que... Oh, oui! Et c'est temps! Voilà, le fameux deuxième but belge. Ah là là là, et ça va mal pour les Suisses. Ah, ils sont complètement dépassés, les Suisses. Mais bon, après, à la limite, c'est pas grave, c'est pas grave. Ils sont tombés plus fort qu'eux. De plus, la Belgique, c'est le genre d'équipe qui est souvent sous-estimée. Allez, on va quand même voir au ralenti. Ah, Verrien qui a assez difficilement capté le ballon et qui parvient à tirer. Et Zuber-Müller, le gardien suisse de cette équipe, est vraiment dans l'obligation de s'incliner. Et la Belgique passe devant. Bon, après, si les Suisses perdent, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ils auront une autre occasion, vous inquiétez pas. Allez. Donc, récapitulons. La Belgique 2, Suisse 1. Allez, ouais. Müller. Les Suisses qui peuvent encore égaliser si eux aussi, ils arrivent à trouver l'occasion. Yakin. Attention, petite chance! Est-ce que... Non! Raté, mais c'est... Ah, c'était vraiment ce qu'on peut appeler, mais... Une tentative un petit peu ratée, mais c'est sans compter sur le bel arrêt réflexe de Philippe Deville, le gardien de cette équipe belge, qui a souvent joué dans différents clubs, notamment celui d'Anderlecht, et aussi au Sturm Graz, dans le championnat autrichien. Bon, Philippe Deville qui était un gardien assez bien, mais je préfère autant Michel Preud'homme. Alors qu'on s'approche à quelques minutes de la fin de ce match, ben c'était vraiment un match palpitant et une rencontre vraiment palpitante. Allez, Gour. Ouais, qui passe à Verrien. Wilmots. Ah, mince, il a voulu faire une passe à Mpenza, mais il était beaucoup trop loin. Bon, c'est pas grave. De toute façon, ça va faire durer un petit peu plus le suspense. Et de plus, le match se termine. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce match. Et bah, belle victoire de la Belgique, qui franchement, qui ont vraiment, qui se sont fait peur, certes, mais qui ont réussi à remonter la pente. GG à eux et GG quand même aux Suisses d'avoir, comment dirais-je, d'avoir lutté jusqu'au bout, même s'ils ont perdu. Après, à la limite, c'est pas grave. On va pas non plus leur jeter la pierre en disant d'accord, ils ont ouvert le score à la première mi-temps, mais ils ont quand même réussi à mettre en difficulté les Diables Rouges. Et franchement, c'est pas plus mal. Ils ont perdu avec honneur, comme on dit. En tout cas, belle victoire de la Belgique face à la Suisse, 2 buts à 1. Et c'est la fin donc de ce match. Et c'est la fin donc de cet autre test, équipé autre let's play sur le World Soccer GQ Winning Eleven 2000 sur PlayStation 1, sortir en 2000, au cours de l'année 2000 sur PlayStation 1, édité par Konami. Et je propose qu'on s'arrête donc ici, mais il y aura encore d'autres matchs, ne vous inquiétez pas. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si bien d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut, et rendez-vous pour de prochains tests, ainsi que de prochains matchs. Ici, Zurich, en Suisse, à Paris. Oh, et puis tant j'y pense, j'aimerais dédier ce cadeau exclusif à tous mes fans.